Il faut toujours le bonheur qui doit accompagner pour que ça donne quelque chose. À cette question, je dirais qu'il faut répondre sur plusieurs angles. Premièrement, il faut reconnaître que l'argent est un matériel indispensable pour les échanges entre personnes, entre États et même entre plusieurs États. Pour cette raison, je vais dire que, à cause du rôle que cet argent joue, c'est très bon pour la société. Et lorsqu'on revient sur le fait que c'est pour une personne, est-ce que cela suffit-il pour faire son bonheur? Je pourrais dire que ça ne peut pas suffire simplement pour faire son bonheur. Parce que avoir de l'argent et ne pas en jouir, cela ne fait pas le bonheur. Pour en jouir, il faut pouvoir avoir des gens autour de toi qui, avec eux, vous allez ensemble dépenser cet argent-là. Il faut que les gens puissent bénéficier de l'argent que tu disposes. Si tu as de l'argent et que tu n'as pas une société, par exemple, qui recrute les jeunes, qui, à la fin de mois, vont percevoir de cet argent dont tu disposes, alors tu ne peux pas être dans le bonheur. Tu peux beau avoir l'argent du monde entier, mais tu n'auras pas le bonheur escompté. Secondo, il faut avoir de l'argent pour permettre non seulement à sa famille d'en jouir, mais aussi permettre aux gens qui ont travaillé d'en bénéficier aussi. C'est pourquoi moi, personnellement, je dirais que l'argent, ça fait le bonheur d'une part, et d'autre part, ça crée des ennuis pour des gens qui ne savent pas l'utiliser. Alors moi, je pense que l'argent seul ne peut pas faire le bonheur. Je m'explique. Quand je prends par exemple une femme mariée, si elle se marie avec un homme qu'elle n'aime pas, la probabilité est forte qu'elle ne se sente pas heureuse même s'il y a l'argent. Et quand je choisis par exemple un métier, le journalisme, si vous n'aspirez pas à devenir journaliste et c'est contre votre gré que vous le deveniez, même si vous gagnez de l'argent après, je pense que vous ne pourriez pas vous en sortir. Donc l'argent seul ne fait pas le bonheur. De manière directe, l'argent seul ne peut pas faire le bonheur de l'homme. L'argent seul ne peut jamais faire le bonheur de l'homme. En ce sens où l'homme a besoin quand même de la paix du cœur pour mieux vivre. Et je pense, c'est vrai, l'argent, c'est une nécessité. C'est quelque chose qui contribue quand même à la vie de l'homme. Mais l'argent, quand l'argent n'est pas propre, ça ne peut pas contribuer au bonheur de l'homme. Nous pouvons prendre quand même l'exemple de nos jeunes frères qui se donnent à la cybercriminalité, où ils font, à cause de l'argent, ils vont poser des actes qui n'arrangent pas leur vie, qui ne les permettent pas à vivre de façon naturelle, c'est-à-dire sont obligés de faire des sacrifices, de faire certaines choses qui compromettent même le bonheur qu'ils attendaient en allant vers l'argent. L'argent ne peut pas faire le bonheur parce qu'il peut avoir l'argent, mais il n'aura pas la paix. Il peut avoir l'argent, mais il aura encore des problèmes. Donc, c'est un peu ce qui m'a poussé à dire que l'argent ne peut pas faire le bonheur. Je pense qu'on doit relativiser. La réponse est nette. L'argent seul ne peut pas faire le bonheur. Mais pour celui qui pense que la richesse intellectuelle est une sorte de satisfaction morale, on peut confondre la satisfaction morale au bonheur. Dans ce cas, l'argent ne fait pas lui seul le bonheur. Mais tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, on a besoin d'argent. N'importe quelle activité, on a besoin d'argent. Donc, l'argent peut faire le bonheur, mais l'argent ne fait pas à lui seul le bonheur.